Ah oh mon Dieu, non, le retour des likers, les amis. Et oui, bonjour à toutes et à tous, c'est Kero, j'espère que vous allez bien. Et vous avez deviné, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon Let's Play sur le jeu Resident Evil 3, que je vous fais, bien sûr, le remake sur Xbox One. Et donc oui, la dernière fois, on avait vu le retour des likers et tout. Oh là là, je déteste ces bestioles, ces monstres-là, ils sont horribles. Et quelque chose me dit qu'on va tomber dessus. Enfin, on avait eu un aperçu des likers, mais on n'était pas vraiment tombé dessus, de plein fouet dessus. Mais là, quelque chose me dit que durant cet épisode, on va tomber dessus. Et donc, j'enregistre cet épisode à la suite du précédent. C'est pour ça que j'ai appuyé sur pause, parce que c'était un petit peu le bordel et tout là dans le commissariat. Parce que oui, on a pris le contrôle de Carlos et on se retrouve dans le commissariat de Resident Evil 2 qu'on avait fait avec Léon. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce let's play de Resident Evil 2. Il est disponible sur ma chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Et donc ouais, on avait pris le contrôle de Carlos. Et puis juste avant, on avait Jill qui c'était le bordel aussi avec le Nemesis qui nous courait après. Voilà, il avait le lance-flamme. Ensuite il a eu un lance-grenade, c'est ça qu'on appelle, ou un bazooka, appelez ça comme vous le voulez. Et du coup, bah ouais, c'était le bordel. On avait dû prendre le métro avec le chef et puis l'autre connard là de l'UBSS. Et Nemesis, c'était une nouvelle fois tombé dessus. Donc on sait pas si ce qu'il advient de Jill Valentine, en espérant qu'elle va bien. Et là, on avait pris le contrôle de Carlos dans le commissariat. Et c'était le bordel ici aussi, avec plein de zombies et tout. Donc je suis pas c'est pour ça que j'ai appuyé sur pause, parce que je suis pas rassuré du tout. Voilà. Et donc là aussi, on avait un casier, mais en étant, on peut pas l'ouvrir parce qu'on n'a pas le enfin il me semble qu'on n'a pas le code, hein. Je vais aller voir ça dans les documents, mais il me semble pas qu'on ait le code. Non, non, on n'a pas le code pour l'instant. Enfin, le code on l'avait dans Resident Evil 2, donc il faudrait retourner sur le Let's Play pour aller voir le code. Mais bon, la flemme quoi, j'ai envie de faire ça, les choses vraiment 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 bien quoi. Du coup, est-ce que eux, ils vont se relever ou ils sont vraiment morts, je sais pas. Donc là, il faut un badge pour ouvrir ça. On peut pas, on n'a toujours pas le badge. Est-ce qu'on a des choses, ouais, on a peut-être d'autres choses dans cette pièce, je sais pas. On va fouiller les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et donc je sais plus, je crois qu'on est au 9e, 10e épisode. Donc vu que j'enregistre des épisodes à la suite, je suis un petit peu perdu au niveau des épisodes. On a des plantes ici, on va prendre, voilà. On a des balles, parfait. Et je pense que c'est à peu près tout. Ici, est-ce qu'on peut sortir? Non, ici c'est bloqué. Ok. Ok, donc c'est déjà ici, on a fait un petit peu le tour, mais bon, le reste c'est bloqué, donc on peut pas le faire en état. Alors attendez, est-ce qu'on n'irait pas se... On va faire déjà des combinaisons. Je vais faire ça avec ça. Ça, est-ce que tu peux combiner avec ça? Non. Ok. Ok, on avait récupéré des grenades aussi la dernière fois. Donc ça, on va mettre ça là, ça ici. Voilà. Donc comme à chaque fois, hein, je fais un petit peu de rangement, les amis. Puis bah c'est bon. On va peut-être reprendre le pistolet, parce que bon, le fusil, j'ai envie de le garder quand même. J'ai envie de le garder vraiment en cas de recours. Bah écoutez, cette pièce c'est bon, mais attention derrière. Attention ici, avec les likers qui sont pas loin, les amis. Non, pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça. Ici on a une salle qu'on va aller fouiller. Ah, bon, on peut pas. Ok. Donc celle-là on peut pas. Où est-ce qu'on pourrait aller? On a la réception. Donc là, je pense, les amis, qu'il faut. Qu'il faut. Je pense qu'il faut aller. Non, pas par là. C'est où la suite? Je crois que c'est là la suite. Ouais, c'est là la suite. Ok, vas-y, viens, toi. Ok. Ok. Attention, les likers. Je sens qu'ils vont nous tomber dessus. Ah bah écoute, c'est plus des flics, hein, c'est des zombies maintenant. C'est plus des flics. Ah, ici, il y a une salle de sauvegarde ici, je me rappelle. Est-ce que c'est ouvert?
Ah oui, c'est vrai qu'il faut allumer. Il faut allumer. Vas-y, allume-moi ça. Voilà. Ici, au moins, on va pouvoir un petit peu plus se poser, les amis. Donc, ici, c'était la salle photo, on se rappelle, hein. Ouais. Si seulement on pouvait les tuer avec un appareil photo. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ok, donc ici, on n'a rien de spécial à faire. On a une malle. Est-ce qu'on mettrait pas. Bah non, on n'a rien à mettre de toute façon, donc non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va faire une sauvegarde, les amis. On va en profiter pour faire une petite sauvegarde. Voilà, parfait. Du coup, alors attendez que je vérifie quelque chose. Ouais, c'est bon. Ah, on a des choses ici. On a des choses. Yes! Bien, bien, bien. Hop, parfait. Ça, du coup, on va combiner. Avec ça, voilà, ça nous fait deux soins, les amis, on est bien. On est plutôt pas mal. Hop, hop, voilà. Et du coup, ici, on est good. Allez, on y retourne. Attention. Attention, 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 qu'il n'y a rien qui nous saute dessus. Ok. Allez, let's go. On y va. J'aime pas ça, mais on y va. Sentez le Likers dans pas longtemps, là. Je le sens. Ah. Carlos, le bureau du Stars est à cet étage. Ok. Compris. Ok. Quelque chose me dit que ça passe. L'envoi des données du jeu. Quoi, c'est quoi ça? Mais je m'en fous en fait. C'est bien. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Laissez-moi tranquille. M'en fait peur. Ah oui, la fameuse salle ici. On se rappelle. Alors ici, il y a code. Alors ça c'est pas ça, c'est AP. Je crois que c'est pour ici. On va voir. On se rappelle du code, hein, lors de l'épisode précédent, il y avait marqué CAP. Et c'est ça. Voilà. C'était bien ça. Grenade assourdissante. J'ai du mal. J'ai du mal! En même temps, c'est le troisième épisode que j'enregistre à la suite, les amis, donc ça commence un petit peu à fatiguer. Ok. Bah écoutez, ça, on peut pas le combiner de sa façon. Non, ok. Voilà, niveau soin, on est bien. Donc écoutez, j'ai même envie de dire qu'on va utiliser ça. Voilà, parce qu'on est plutôt bien. J'ai envie de dire. Ok. Ici, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oh. Ok. J'imagine qu'il va falloir qu'on fasse sauter ça. Ben, voilà. C'est bon? Si tu poses ça là-dessus. C'est bon ou pas? Bah écoutez, je le prends, mais je pensais qu'il fallait. Oh, il y a un truc de. Ah, ça, c'est une. C'est comment une. Comment ça s'appelle? Truc pour l'eau, ça. Donc ça n'a rien à voir. Ok. Bah écoutez, on reviendra plus tard ici. On va continuer. Ah, il y a quelque chose là. Mot d'un ami. Hector, si tu lis ceci. C'est que je suis déjà mort. Si tu entends des bruits provenant du casier, ne l'ouvre surtout pas, je t'en supplie. Ah. Pendant que tu patrouillais, j'ai cherché un moyen d'aller de l'autre côté, et je me suis dit que des explosifs pourraient être la meilleure solution. J'ai réussi à confectionner une bombe, mais on n'a pas de piles pour le détonateur. Ah oui, c'est vrai qu'il faut des piles. Ouais, il faut des piles. Je suis presque sûr d'en avoir mis dans la salle des casiers la semaine dernière. On a absolument besoin de cette pile si on veut faire péter ce mur. Comme c'est toi qui as la clé de cette pièce, j'ai voulu aller à l'étage du dessus pour essayer de te trouver. Mais dès que j'ai quitté les douches, je me suis fait attaquer. L'un d'entre eux m'a mordu, j'ai nettoyé la plaie comme je pouvais, mais je me sens de plus en plus mal. J'imagine que tu comprends maintenant pourquoi. Il faut pas que tu ouvres le casier, t'occupe pas de moi, essaie juste de sortir d'ici aussi vite que possible ton collègue et ami Wes. PS, t'en fais pas pour les 600 dollars que je t'ai prêtés, considère ça comme un coup de pouce pour ton déménagement à venir, bonne chance mon pote. Ok. Ok, donc la pile serait dans la salle des casiers, mais apparemment il faut pas ouvrir le casier, donc. Je préfère pas. Ah bah c'est celui-là, d'accord. Ok. J'allais l'ouvrir moi, normal. Ok. La suite. La suite, la suite, la suite. Fais chier. C'est quoi cette barricade? Oh, calme-toi, calme-toi. Donc ouais, ça serait à l'étage du dessus.
qui aurait la pile. Bah let's go, hein, j'ai envie de dire, mais bon, vous sentez le liker? Je le sens. Toi, tu vas te réveiller, non? C'est pas ça le délire. C'est bon. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On se rappelle que il était là-bas dans le 2, le Likers, hein. On se rappelle. Donc quelque chose me dit qu'ils vont le remettre pareil là-bas. Oh, une clé. Bien, bien, bien. Parfait. C'était pas ici qu'il y avait le. Attendez. Il faut le couteau. Ok. Vas-y, ouvre. Ah! On va réessayer CAP, mais. Ah, forcément, c'est pas ça. Ce n'est pas ça! Alors, ça serait quoi? Parce que je pense que c'est. Attendez. Est-ce qu'il aurait pas mis le code ici, lui? Non. Est-ce que ça serait ici? Non. Ah mince! C'est quoi déjà le code ici? Alors attendez que je me rappelle dans mes souvenirs. Ça remonte. Ça commençait pas par baisser quelque chose, je sais plus où. Sauf je vous dis des. Je tente des choses. Non. Pas du tout. Alors peut-être ça. BFM. BFK, BFP. Ah, je sais plus, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Je sais plus. Bon, ça sert à rien. On n'a pas le code. Il va nous falloir le code. Bon, en tout cas, on a une clé. Ça va nous permettre de déverrouiller des portes. Attention, sauvegarde. Ah, c'était sûr. C'était sûr. Je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais. Je me casse. Je me casse, je me casse, je me casse. Ok. On est de retour ici. Bah écoutez, on va pouvoir débloquer les accès, mais avant je vais aller faire une sauvegarde, hein, avant d'y aller. Oh, on avait eu ça. Alors ça se trouve le. Non, ça c'est le code pour l'autre truc, je crois. Ouais. Un code à trois chiffres résistant à la chaleur déplacée du bureau de Stars vers le bureau ouest. Ok. Ne gauche 9, droite 15. Ok, bon, de toute façon, on pourra le revoir ça. Donc le bureau ouest 1F, c'est où déjà ça? Bureau ouest, c'est là? Je crois que c'est là, hein, les amis. Donc ouais, donc ça va être. Ok. Ok. On va faire une sauvegarde. Oh, j'avais complètement zappé ça. Je l'avais zappé ce truc. Ok. Vas-y, sors de. Attention quand même. Vas-y. Alors. C'est en face. Hein. Attention. Le voilà! Le voilà, lui! Oh. Mais meurs! Il m'a buté. Oh l'enfoiré! Putain, j'ai bien fait de sauver. Quoi? Non, 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 ça on se rappelle le mode facile, non, ça je vais plus succomber, ça, le mode facile. On l'avait déjà fait, hein, le boss à la fin là, le tyran. Mais je vais pas le. Non, non, je mets pas en mode facile, c'est fini. On reste en mode normal, on assume. Voilà. Je vais pas me laisser tenter par le mode facile là, c'est bon. Laissez-moi en mode normal. Du coup, alors, bah, là, cette fois-ci, maintenant on sait. On va mieux se préparer là. Vas-y, viens. Viens, espèce d'enfoiré, viens. Je t'attends. Vas-y, viens, viens, viens. Je sais que tu vas popper là. Vas-y, viens. Voilà. Oh, tu fais quoi? Il va rentrer? Ok. Oh bah niveau santé, ça va. J'ai pas perdu. Alors attendez, parce qu'il y a l'autre aussi là. Il est où? T'es où?
D'accord. Ok. Il est passé où? T'es passé où, mon pote? C'est bon. Ok. Attention, il y a peut-être un autre. Hein. Il y en a peut-être un autre. Ok, on est de retour là. Ok, donc c'est pour ici. Hein. Ok, alors. Faites voir. C'était quoi le code? Gauche 9, droite 15, gauche 7. Gauche 9, droite 15, gauche 9, 15, 7. 9, 9, 15, 7. Ok. 9, 15, 7. Alors. 9. Mince. On recommence. Attendez. On va la réinitialiser, voilà. 9. 15. 7. Yes. Ok. Ah, ça coche. Parfait. Parfait. Bien, 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 bien. C'est bien tout ça. C'est parfait, les amis, j'ai envie de dire. Alors, du coup. On avait une... Barre-toi. Barre-toi. Dites-moi que c'est pour ici, la clé. C'est pas pour ici, la clé? Elle est là. C'est pas ça? Oh, attends. Vas-y, viens. Viens. Tiens, bouffe. Voilà, coucher. Il va se relever, je le sens. T'es mort. Alors, si on peut rien faire, ben on va revenir dans la réception, peut-être. Je sais pas. Parce que après. Après, on peut. On ne peut rien faire. Comment on fait pour venir? Comment on fait pour... Ah, il faut passer par là, peut-être. Ouais. Il faut passer là-bas. C'est par là, hein. Ah non, c'est... Ok. Bon, je cours comme un demeuré, mais je vais me faire choper, vous allez voir. Je vais me faire choper. C'est pas pour... Non, c'est pas là. Non. Ok. Ici, on a rien. Ok, on est de retour là. Attention, parce que derrière, c'était le bordel, on se rappelle. Bonjour. Ok. Toi, c'est fait. Mais il faut passer par là, de toute façon. Vous sentez l'autre Likers qui va me tomber dessus. Je sais pas du tout si c'est par là, les amis, hein, je vous dis... Je sais pas du tout. Ici c'est fermé. Ok, vas-y, trace. Ok. D'ailleurs, on a toujours pas le badge pour ouvrir ces machins là. Bonjour, je suis de retour. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un? T'es là, mon pote? Eh ben, c'était rapide. Me dis pas que tu t'es chié dessus. Je vais juste faire une sauvegarde, s'il vous plaît. Voilà. Faire une petite sauvegarde. Parce que là, je sais pas où est-ce qu'il faut aller maintenant. On va aller voir les autres.
les autres salles parce qu'on a une clé donc forcément ça doit ouvrir des choses. C'est pas là, vous allez me dire. Non. Alors peut-être au-dessus. Peut-être au-dessus. On va aller voir ça. Est-ce que ça serait ici? Bah non. Mais c'est pour... Attendez. Clé de la... Ah non, c'est la clé de la salle des casiers. D'accord, ça n'a rien à voir avec ces portes-là. Ok. Ok. Donc la salle des casiers, c'est où? La salle des casiers, c'est où déjà? Salle des casiers, c'est là. Ok, bah ok, on était juste. C'est moi qui est débile. En fait, je croyais que ces clés, c'était pour ces portes-là, mais non, pas du tout. C'est pour la salle des casiers. Et la salle de casier, ouais, je sais, je vois à peu près où est-ce que c'est. D'accord. Oh, vas-y, on y va. On sait où c'est. En espérant pas se faire choper là. Ça serait bien. Donc si on passe. Ah non, on peut pas passer par là. De toute façon. Vas-y, on court, on est des fous. On est des fous. On est des fous, on est des fous. Ok, on est de retour là. Donc il faut passer par la salle de réception. Déjà. Ensuite tu passes par là. Attention. Ok. Ensuite tu vas là. Et ensuite c'est la porte à gauche. Ok. C'est là. Voilà, ok. On a entendu des bruits. Oh! Enfoiré! Enfoiré! Salaud! Crève! Oh, ta race! Voilà, hein? Faites pas chier. Faites pas chier, s'il vous plaît. Tout est ouvert, tout est ouvert, tout est ouvert. Ah, des plantes, yes. Parfait. 109. Ok, 109, 109. On retient. 106. 104, 100, 104, 106, 109. Mais est-ce qu'on a toutes les touches? Eh non. On n'a pas... Ah si, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 104. Ok. Donc là, c'est la pile. Parfait. 106. Voilà. Et 109. Hein. 109. Vas-y. Voilà. Parfait. C'est parfait, les amis. On est good. On est good, on est good. C'est tout ce qu'il y avait ici, je pense. Alors. Hop. Vas-y, ouvre. On a la pile. Parfait. Ok. Et ça. Voilà. C'est parfait. Bah écoutez, on y retourne. Hein. On y retourne. Alors attendez, là, juste avant, je vais faire un petit check-up. On va utiliser ça. Ça. On va combiner avec ça. Voilà. Bon, ça, on avait galéré là dans Resident Evil 2, je savais pas ce qu'il fallait faire avec quoi aller avec quoi. Là, c'est fatigué. J'ai retenu, les amis. Cette fois-ci, on est bon. Hop, on va mettre ça là. Tac. Ça, on pourra mettre dans la malle. On peut même là. On la jette de toute façon. Bah oui, parce que ça, c'est. Ah, vas-y, on la jette, on s'en fout. Hop. Voilà. Et on est good. Alors, attention quand on va ressortir. Ok. Donc là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Il faut qu'on remonte. Donc pour remonter, c'est derrière nous. Attention parce qu'ici il y avait des copains, je me rappelle. C'était sûr. Reste par terre, reste par terre. Voilà. Ah
Ah, quelque chose me dit que ça pue en haut. On va tomber sur un autre Likers. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On va sauvegarder. Hop. Parfait. Est-ce qu'on a des choses à mettre? Ben, du coup, non. Non, non, non. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Voilà, on va recharger. Je préfère prendre la mitraillette là, clairement, parce que je me sens plus en sécurité avec, même si c'est peut-être pas une bonne idée de gâcher toutes les balles avec. Mais bon, écoutez. Ok. On est de retour ici. Et donc là, on va pouvoir faire péter le truc. Mais attention, les Likers, il est pas loin. Il n'est pas loin. Bonjour. Carlos, j'ai fini avec le terminal ici. Je te rejoins. Compris. Ok. Et moi, je vais faire péter ça. Confirmé. Vas-y. Ça va péter! On a fait un petit peu de bruit en même temps, donc c'est pas forcément. Et voilà. Ça bug. Pourquoi? Oh, génial! Voilà, pas le choix, je bourrine, hein, les amis. Je bourrine. Et merde! Non! Laisse-moi! Laisse-moi! On se casse. Faites la queue, il y en aura pour tout le monde. Oh! Oh! Oh la vache! Je lui ai mis. C'est le bordel! Et merde, je suis mort, je crois. Non, c'est bon. Soin, vite. Grenade, équipe. C'est bon? Vous êtes calmé? Alors attendez, parce qu'il y avait des choses derrière moi. J'aimerais bien les récup. Ok, venez. Venez. Oh, mais ce bordel, les amis. Ok. C'est bon? Je peux respirer? Mon dieu, ils sont venus à 36 000 sur moi, quoi. Abusé. Abusé, abusé. On oublie d'y retourner parce qu'il y a des choses. Ah, il y a des choses. Ah, j'entendais la musique. J'entendais la musique. Putain, lâche-moi, lâche-moi. Mais... Laissez-moi! Sans déconner! Mais passe! Putain, mais... Vous allez crever! Crève! Crève! C'est bon? Sérieux, quoi! Laissez-moi respirer 2 minutes! C'est bon? Vous êtes mort? Oh là là, mais sérieux quoi. C'est bon, on a tout? Non, il reste encore. Ok. Là, c'est bon. On se casse. On se casse de là. Y'a rien ici? Non. J'entends. Je sais pas c'est qui, mais j'ai entendu quelqu'un. On va rentrer ici ou pas avant? Ah bah, ok, cinématique. Alors, il est où le docteur? Docteur Bard. Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un? On va vous sortir de là. Dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Génial. Envoyez le Stars. Ils sauront quoi faire. Négatif. Le commissariat est infesté.
Alors trouvez une solution. Umbrella a perdu la raison, il massacre tous les chasseurs. Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies. Alors soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici. Super. J'aime déjà. J'en doute pas. Bon, en même temps, il a raison, quoi. T'as entendu? On peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider. C'est à Mikhail. Mikhail. Sur l'ordinateur, s'il y a moyen de localiser le doc. Mais Mikhail, il est mort. Ok, bah écoutez, les amis, on va se laisser là. Va voir si tu trouves quelque chose d'utile dans le coin. Ok, ok. Et on verra ça la prochaine... Bon, je pense que ça a dû sauvegarder. J'espère que ça va sauvegarder. Attendez, il n'y a pas un truc pour sauvegarder ici? Pas loin. On a déjà récupéré tout ça. Hop. Est-ce qu'il y aurait... Ah, là. Non. Ok, il y a des papiers, mais moi j'aimerais m'arrêter, s'il vous plaît. J'aimerais m'arrêter. Il n'y a rien pour sauvegarder, là. J'aimerais m'arrêter. Ok, donc là, il faut le badge. Ok. Ça passe. Je sais pas, en fait, je sais pas si ça a dû sauvegarder, mais je crois que ça a sauvegardé, les amis. Hein. Si on ressort, est-ce que ça fait. Ouais, j'écoute. Viraillé, y'a des blessés? Jill? Oh merde! Hein, quoi? Jill! Jill, qu'est-ce qui se passe? Jill, réponds! Bon, je dois y aller. Non, okay, ça marche. Attends, il y a des trucs. Il y avait des choses. Il y avait des choses dans le truc, j'ai oublié de prendre. Sérieux, on peut pas y retourner dedans. Appel d'urgence. Quitter le commissariat. Mais non, mais il y avait des trucs. J'ai oublié plein de trucs. Oh, ça me saoule. Sérieux, là ça me saoule, j'ai oublié plein de choses. Je savais pas que qu'en ressortant, ça allait faire ça quoi. Non. Du coup, on va retourner avec Jill, c'est ça? Eh oui. Oh putain. Sérieux. Bah désolé, j'ai oublié plein de trucs. Ce qui était certainement important à lire ou quoi. Désolé. Désolé. Là, voilà. Là, ça sauvegarde, forcément. Bon. Bah écoutez, les amis. Bah je pense, je sais pas du tout. Bah ouais, on va s'arrêter là les amis, désolé encore, hein, je savais pas du tout qu'on allait avoir une cinématique et ça, qu'on allait basculer sur Jill. Bref, en tout cas les amis, je vais m'arrêter là pour les épisodes d'avance, voilà, et puis je verrai voilà, moi de mon côté la semaine prochaine, mais vous, bah vous l'aurez dans quelques jours le prochain épisode. Et bah écoutez, bah portez-vous bien les amis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, à activer la cloche, enfin voilà, vous connaissez un petit peu la chanson à force, et à vous abonner également sur mon Twitter pour être averti, voilà, de toutes sortes d'infos, quand il y a de nouvelles vidéos, quand j'aurai la fibre, enfin même si c'est au moment où cette vidéo sortira, la fibre sera déjà là normalement, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur mon Twitter, et on se dit donc à très vite les amis pour un prochain épisode sur ce Resident Evil 3, le remake. C'était Kero, ciao ciao, portez-vous bien.